Quel bonheur de vous retrouver sur RTI2 pour un nouveau numéro de votre magazine de la mi-journée. On garde le contact. Je suis très heureuse, je l'ai dit, d'être là. Je remplace Mohamed, vous le savez, qui est en congé. On le retrouvera à partir du mois de janvier. Je ne suis pas seule sur ce plateau avec les invités de tous les lundis et mardis. À ma droite, Monsieur Seydino Ahmed, bonjour. Bonjour, madame. Merci d'être là encore une fois. Ok. Et Monsieur Ismaël Diop est également présent. Bonjour, monsieur. Bonjour. Sans oublier Monsieur Patrick Ndjakan qui est là et que vous découvrirez dans quelques instants. Alors, on démarre tout de suite avec les brèves. Ce week-end fut chargé. Jingle. Voilà, alors vous le savez, la RTI a fêté son cinquantenaire. C'était l'apothéose le vendredi dernier du côté de l'Ivoire Golf Club avec une soirée spectacle. Voilà, vous avez les images sur votre écran et c'était une très belle soirée, donc je l'ai dit, avec des artistes tels que Salif Keïta qui a effectué le déplacement. Il y avait également Nayan Kabel, il y avait Eba Aka Jérôme. Le gâteau fut coupé donc et le cinquantenaire de la RTI s'est achevé en beauté. Voilà, alors, vous avez suivi la cérémonie ou vous n'avez pas eu le temps? Oui, bah moi j'ai suivi un peu. Vous avez apprécié? Bien sûr, apprécié. Bien. Ouais. Merci beaucoup. Alors, on passe à Solid Artiste. Donc, c'était cette journée instituée par le Burida pour venir donc en aide à nos artistes qui très souvent finissent dans un dénuement total. Alors, Solid Artiste, c'était des spectacles, des cérémonies, des dédicaces et beaucoup d'autres choses. Le public a répondu présent et c'était une bonne initiative. Monsieur Diop, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est bien qu'on commence à s'intéresser à nos artistes et à pouvoir les aider à s'en sortir. Et aussi, on voulait lancer un message aux artistes pour dire que c'est le travail bien fait qui paye. Il faut pouvoir faire de la musique dans le bon sens. Mmh. Parce que la Côte d'Ivoire, il faut reconnaître qu'elle était la plateforme de la musique africaine. On pouvait réussir qu'en passant par la Côte d'Ivoire à l'époque. Aujourd'hui, on a perdu ça. Je pense qu'il faut mieux travailler pour faire avancer les choses. Monsieur Seydino. Bien, bon, moi, je vais aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Moi, je pense qu'il y a un problème fondamental en Côte d'Ivoire. Quand on parle toujours de solidarité envers les artistes, en réalité, c'est l'artiste même qui doit être solidaire envers la population. Moi, je ne sais pas pourquoi ici en Côte d'Ivoire, c'est la population qui doit peut-être se mettre ensemble pour aider les artistes. C'est qu'en réalité, il y a un problème. Le problème, c'est que les artistes ne vivent pas de leurs œuvres. Pourquoi les artistes ne vivent pas de leurs œuvres? Je pense que c'est au Burida, qui est le bureau d'auteur, voilà, qui doit répondre à cela. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'y a pas une bonne politique qui est menée là-bas. Il faut qu'ils puissent peut-être revoir comment lutter contre la piraterie, comment faire de telle sorte que le Burida soit comme une banque. Parce que pour moi, dans ma philosophie, le Burida doit être une banque où tous les artistes ont leur compte. Est-ce que c'est vraiment ça la mission du Burida? Je ne sais pas. Oui, oui, la mission du Burida, en réalité, c'est ça. C'est d'encaisser les droits des artistes et puis les reverser. Donc, le Burida doit fonctionner comme une banque. Ça doit fonctionner comme une banque. C'est-à-dire que tous ceux qui sont sociétaires au Burida, c'est comme s'ils ont un compte. Mais à la encore, il faudrait que leurs œuvres se vendent. Ouais, justement, maintenant, c'est le Burida qui doit nous aider maintenant. Il faut qu'il y ait des œuvres. Voilà. Parce que la plupart des artistes ivoiriens aujourd'hui font des singles. Oui, ils font des singles parce que quand ils font les œuvres ne marchent pas du tout. Moi, je suis producteur d'artistes. C'est comme coûte une production. Mais quand tu finis une production, que tu fais la promotion, tu fais tout, et que en réalité, tu retrouves ton œuvre sur le marché en train d'être vendue à 500 francs, ça devient autre chose. Donc, les artistes aujourd'hui, il n'y a pas de producteurs. Les artistes eux-mêmes se produisent. Ils préfèrent faire des singles. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une boîte de Pandore qu'on en trouve d'ouvrir. Là, c'est un sujet maintes fois débattu. Voilà. La solution, c'est vraiment pas où la trouver. Mais... Non, moi, je pense que la solution. C'est que peut-être que c'est le gouvernement qui doit prendre un décret et mettre en mission tous les corps habillés, même les eaux forêts, tous les corps habillés qui voient une œuvre trafiquée, qu'ils arrêtent la personne, c'est tout. Voilà une des solutions, quoi. Le gouvernement met tous les corps habillés en mission. Merci beaucoup, monsieur Seydino. Merci. Alors, ce week-end, il y avait également l'artiste mondain Nabi Dosso en concert. Voilà, vous avez là les images du concert. Je ne sais pas si vous connaissez Nabi Dosso, monsieur Diop. Non, vous ne la connaissez pas. Et monsieur Seydino non plus. Non, je ne la connais. D'accord. Alors, on va rester sur nos antennes. Je pense que dans le 10-11, ça c'est sur RTI1. Vous aurez donc plus amples informations sur cet artiste qui était en concert ce week-end. Et puis, la dernière information, c'est l'arrivée de l'artiste nigérian Flavor à Abidjan. Voilà, il a un concert, je pense que c'est aujourd'hui même, je crois. Il est arrivé, il est bel et bien arrivé et nos équipes étaient sur les lieux, donc à l'aéroport. Flavor est dans nos murs. Voilà,
On a fait le tour des informations. Alors, petite question, hein, parlons toujours de musique. On sait qu'en ce moment, la musique nigériane a pignon sur rue. Est-ce que vous êtes adepte de cette musique-là, M. Seydine? Non, je ne suis pas adepte de cette musique-là parce que je trouve ça que c'est un peu trop électronique. C'est-à-dire que moi, je suis adepte de toute musique où les musiciens jouent. Voilà, je suis adepte de musique naturelle où les instrumentistes jouent clairement sans problème. Mm-hmm. Donc, je ne suis pas trop adepte de cette musique-là particulièrement. Sinon, la musique de Fela et autres, bon, il n'y a pas de problème, je suis un partisan de ça. Mais cette musique-là, je ne suis pas trop partisan de ça. Quoi, voilà. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon, mais moi, ça ne m'intéresse pas. D'accord, Monsieur Diop. Bon, moi, je vais un peu dans le même sens que Sedina. Sincèrement, dans le rendez-vous des nations en thème musical, il faudrait que chacun vienne avec sa force. Et le problème, ça est dur de plus en plus en Afrique, surtout dans des pays comme la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Parce que quand vous prenez, j'ai dit ça déjà sur le plateau, quand vous prenez les grands prix de musique et les artistes africains les plus célèbres, c'est les artistes qui utilisent le patrimoine local et qui essaient de l'adapter à l'universel. Donc quand vous prenez Ali Farka Touré, quand vous prenez Salif Keita, quand vous prenez Oumou Sangaré, Youssou N'Dou, c'est des gens qui ont quand même eu les plus grands prix de musique au monde. Et ils n'ont pas rejeté leur culture à la base. Ils ont utilisé des instruments de chez eux, ils ont utilisé l'écriture musicale de leur région pour pouvoir le rendre universel. Quand on se plaint aujourd'hui d'Amadou et Mariam, qui font un peu d'électro, mais ils partent de la musique mandingue pour faire l'électro. Et je prends le cas en Côte d'Ivoire de Magie System, qui a eu une percée fulgurante en France. Ce n'est pas parce que Magie System a fait que de l'électro, c'est parce qu'ils sont partis d'une base musicale traditionnelle qui est la loukou, qui est le zouglou. Le zouglou, la partie musicale appartient à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, quelque part, ils sont partis avec quelque chose de chez eux pour aller. Mais bon. Même Tikenja, même aujourd'hui, est en train de le faire. C'est oui. Tikenja aujourd'hui avec le Ngoni, avec la Koura dans sa musique reggae. C'est ça, il faut adapter les choses. C'est-à-dire qu'il faut venir avec quelque chose. Il ne faut pas copier tout. La concurrence devient rude quand tu copies, parce que ça leur appartient. Très bien. Merci beaucoup pour vos avis donc, sur ces différentes questions. On va faire un petit tour dans le passé. Hein. Quand je dis le passé, c'est un passé plutôt récent. On va se remémorer ce qui s'est passé sur ce plateau la semaine dernière. À tout de suite. Le travail des enfants, très souvent, il faut plutôt attaquer l'abus. Parce que c'est vrai que personne ne doit utiliser une fillette de 10 ans pour être une nounou. Mm-hmm. Parce qu'elle-même, elle n'a pas fini de grandir. Même dans nos traditions, ça ne se fait pas. Dans la tradition africaine, déjà, pour être femme, il faut dépasser l'âge de la puberté et il faut passer une école en djémé initiatique pour pouvoir avoir le titre de mère. Il faut revenir aussi sur les chiffres pour dire que l'Asie est en pole position avec 44 millions d'enfants qui travaillent, qui sont soumis à des activités pénibles. L'Afrique vient en deuxième position avec 26 millions et là en dernière position nous avons l'Amérique du Sud qui compte exactement 5 millions. Il faut préciser que l'Europe aussi n'est pas épargnée parce que nous trouvons dans certains secteurs, sinon certains pays européens, des enfants qui s'adonnent à des activités plus ou moins pénibles et qui sont difficiles à supporter. La cause de tout ça, c'est la pauvreté. Les programmes scolaires qui existent en Afrique, moi j'ai toujours été contre. Parce que ce sont des programmes scolaires souvent qui n'intéressent pas trop ceux qui sont dans la campagne, ceux qui sont dans les zones rurales. Voilà, parce que ça ne prend pas en compte les réalités. Voilà, justement, c'est encore l'école coloniale. En tant que l'école coloniale, nous savons très bien que c'était pour le bien de l'Occident. Aujourd'hui, on est indépendants, donc on doit décoloniser notre système scolaire pour y introduire nos traditions, nos valeurs. La question du travail des enfants, elle est en rapport avec le lieu où on est. Vous comprenez? Ici, quand on parle du travail des enfants, tout de suite, on parle des filles de ménage, on parle des enfants dans les plantations au Sénégal. Le gouvernement là-bas et les institutions, tous ceux qui travaillent sur la question du travail des enfants, ont décidé de faire la question des talibés là, une question centrale. Il y a un rapport que je lisais il n'y a même pas encore 2 semaines par rapport à ça. Je pense que les chiffres sont en train de baisser parce qu'ils font un travail formidable. Donc, cet exemple-là, c'est pour dire que c'est en fonction de là où on est. C'est-à-dire que quoi, on vit dans un espace, on a un type de comportement, en l'occurrence ici, par rapport à la religion, on prend les enfants, on les donne à un maître, ce qui en soi n'est pas mauvais parce qu'il fait l'éducation aussi. Il ne faut pas négliger l'aspect positif de ce que le maître fait.
C'était la semaine dernière donc, sur ce plateau. Il était question du travail des enfants et les téléspectateurs ont été nombreux à réagir. Enfin, on avait déjà posé la nuance sur ce plateau. On avait fait la différence entre le travail abusif et le travail, l'initiation au travail. On en avait parlé, les téléspectateurs ont été nombreux à réagir et à dire qu'il n'y avait rien de mauvais à apprendre à un enfant à travailler dès le bas âge. C'est le travail socialisant, comme l'autre le disait. Moi, j'ai toujours dit, le travail des enfants, en réalité, ce qui me choque, c'est mon opinion personnelle, ce qui me choque, c'est qu'on associe le travail des enfants à un produit. Et ça, c'est le problème sur le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Il faut pas... On associe tout de suite les enfants à l'agriculture, au café cacao. Voilà, au café. Pourtant, ça, c'est notre patrimoine. C'est ce qui fait de nous quand même, c'est ce qui nous amène sur la plateforme internationale en tant que leader. Donc, moi, je ne peux pas comprendre que... On peut dire le travail des enfants dans les plantations, mais pourquoi forcément le cacao? Pourtant, on sait que c'est le cacao, nous, aujourd'hui, qui fait que nous sommes premier producteur. Voilà, producteur mondial. Il y a eu des guerres en Afrique, on n'a jamais accusé, on sait que souvent ça tourne autour du pétrole, mais on n'a jamais accusé un pétrolier, on n'a jamais cité son nom. On n'a jamais dit, oui, il y a eu la guerre dans telle zone, c'est par rapport à cette industrie qu'il y a eu cette guerre. On n'a jamais fait ça. Pourquoi? Nous, en Afrique, ce qu'il fait de nous une grande nation, pourquoi on colle un fléau là-dessus? Ça, c'est un problème pour nous. La deuxième chose, c'est de pouvoir faire la différence. Parce que nous, ce qu'on a comme patrimoine, c'est notre terre. Par exemple, tu ne peux pas dire à un vieux, à un gars du village, un agriculteur, dis que tu ne dois pas envoyer ton fils au champ. Ce n'est pas possible. Parce que lui, il sait que s'il n'est plus là, ce patrimoine qu'il laisse à son fils, l'héritage qu'il laisse à son fils, c'est cette plantation-là. Mmh. Et jamais, moi, je ne pense pas, jamais un père va emmener son fils dans une plantation de plusieurs hectares et c'est le fils qui va faire le travail. Le fils, toujours, il a une petite dabba, comme Sédina le dit, il a une petite machette. En fait, il a des choses à la taille. C'est vrai qu'il y a des personnes inconscientes qui vont au-delà de ça. Mais ce n'est pas pour cela. Il ne faut pas généraliser. Voilà, il ne faut pas généraliser les choses. Je pense que dans le travail des enfants, il y a des choses plus graves, comme les talibés, comme je disais la dernière fois, qui est affilié à la religion et tout le monde a peur de critiquer parce qu'on est de ces confessions religieuses-là. Alors, on rappelle que le problème des talibés, ce sont ces petits garçons qui sont confiés à un maître pour une formation coranique. Une formation coranique et ces maîtres-là les utilisent pour mendier. Et ça, c'est vraiment grave, c'est de l'exploitation. Mmh. Et moi, je dis toujours que la plus grande exploitation des enfants, ça se passe dans les grandes villes. Mmh. Sincèrement. Et personne ne veut parler parce que chacun d'entre nous pose ces actes-là. Chacun d'entre nous utilise une servante de moins de 13 ans. Ah non, pas tout. Non, je veux dire, en majorité, c'est la ville. Mmh. Au village, personne, on n'a pas de servante au village, en réalité. Mmh. Quand tu vois une petite fille dans la cuisine, elle est à côté de sa mère en train d'apprendre. Parce qu'en tant que femme, elle doit, dans notre culture, en tant que femme, elle doit savoir faire la cuisine. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la femme en Afrique, c'est la protectrice de la maison. C'est elle qui rend la maison, c'est la beauté de la maison, c'est elle qui s'occupe de tout, de l'éducation, de tout ce qu'il faut. En fait, la femme est la mère de l'homme même qu'il a épousé. Donc, quelque part, sa formation de base, il faut que ça soit accentué dans tous les sens. D'accord. Monsieur Sédino. Bien, moi, ce que je veux dire, c'est que les gens ont toujours tendance à contrôler l'Afrique. Mm-hmm. Voilà, parce que jamais on a boycotté un film américain parce qu'il y a un enfant qui est acteur dans le film. Jamais on a boycotté un film français ou une chanson française parce que ça a été chanté par un enfant. On a vu Jordi ici quand il chantait, mais personne n'a boycotté ses CD. Alors pourquoi les gens ont tendance à boycotter le cacao? Je prends un exemple, le cacao ivoirien, parce que soi-disant qu'il y a des enfants qui travaillent là-bas. Donc ça veut dire qu'il y a un objectif derrière. C'est ce que les Africains doivent comprendre. C'est pour ça qu'il faut que les Africains se réveillent. Il faut qu'on se réveille parce que si on veut toujours contrôler par l'extérieur, des moins que rien qui ne sont pas des problèmes seront. Ça veut dire que les gens vont toujours créer des problèmes. Pour nous boycotter. Les gens veulent contrôler le cacao, ils veulent contrôler le prix du coton, ils veulent contrôler le prix de l'arachide. Alors donc, ils passent par tous les moyens pour le faire. C'est ça qui est la réalité. Très bien. Donc, on va clore ce sujet. Donc, c'était le travail des enfants. Mais vous pouvez, cela dit, continuer la conversation, le débat chez vous.
On va à présent se tourner vers M. Patrick Djakan. Je ne vous ai pas encore annoncé le thème du jour. Alors aujourd'hui, on parlera de dons, on parlera de partage, de cadeaux. On parlera de la valeur du don en Afrique. Ce sera le thème du jour. Et puis, on va tout de suite démarrer avec Patrick Djakan qui va nous faire donc de grandes définitions. Patrick, bonjour. Bonjour Eva, bonjour aux téléspectateurs. Alors, on parlera, je l'ai dit aujourd'hui, de dons en Afrique. On démarre avec la définition. D'accord, avec la définition, on va aller pas à pas, hein, Eva. On va commencer déjà par la définition du cadeau. Mm-hmm. En disant que le cadeau est un présent, une forme courante de don destiné à faire plaisir à une personne physique par extension. C'est quelque chose qui rend autrui heureux. Alors que le don, il va un peu plus en profondeur. Quand je vous donne la définition, vous disons que le don est l'action de donner sans contrepartie apparente. Le don se veut désintéressé et intemporel. Cependant, pour faire honneur au don, la personne bénéficiant du don en retour peut répondre à ce don, ce qu'on appelle le contre-don. C'est une façon aussi d'être reconnaissant vis-à-vis de la personne qui vous a offert le cadeau en premier. Voilà. Très bien. Alors, maintenant que la nuance est posée entre le cadeau et le don, on passe aux différents types de dons qui existent. Oui, différents types de dons. Il faut dire que c'est une méthode, sinon c'est un procédé qui existe depuis les temps anciens. Et voici les trois types qui s'énoncent devant nous. Nous avons d'abord l'échange rituel. Alors, l'échange rituel, il s'agit d'honorer des puissances avec l'espoir d'obtenir des faveurs terrestres ou la clémence des dieux. Cette pratique, se voyait le plus souvent depuis les temps anciens, surtout au temps où on parlait des dieux grecs, de plusieurs dieux qu'il fallait adorer. En ce moment, on parlait d'échange rituel. C'était une façon d'honorer des dieux pour avoir en retour la protection de ces dieux-là. Ensuite, nous avons l'échange intercommunautaire. Il s'agit alors de garantir de bons rapports entre les communautés par le biais des relations privilégiées. C'est un autre type de don qui permet à deux nations de tisser une certaine alliance avec des cadeaux pour que chacun en retour puisse protéger l'autre peuple en cas d'attaque d'une personne étrangère. Et ensuite, nous avons en troisième position la marque d'une distinction sociale, c'est-à-dire il s'agit de faire reconnaître la primauté par le biais d'une compétition du don. Les valeurs données peuvent parfois être détruites. Très bien. Patrick, on va parler donc du mécanisme de don. Oui, on va parler du mécanisme du don. Le don s'explique en trois parties très très intéressant, sinon trois parties importantes. Nous avons d'abord l'acte de donner, l'acte de recevoir et enfin l'acte de rendre. Je vous explique. La première phase est fondatrice parce que ça va faire un don, c'est reconnaître un alter ego en lui transférant la propriété d'un objet. Alors que la deuxième partie, c'est en acceptant ce cadeau, le receveur recouvrant le don, c'est-à-dire son oui, lui permet d'accepter et d'unifier sa complicité avec le donateur. Et en troisième position, nous avons l'action de rendre le don, comme je le disais tantôt en définition. C'est une façon de pérenniser désormais la relation qu'il y aura entre vous et le donateur. Voilà. Très bien. Patrick, pour finir, Pour finir, il faut dire que la pratique d'offrir des cadeaux est extrêmement ancienne, existant depuis des temps archaïques. Si les occasions auxquelles nous offrons des cadeaux sont désormais rituelles, alors nous parlons de baptême, d'anniversaire, de fêtes de Noël et fin d'année, pendant que nous sommes. Il n'en demeure pas moins que la notion d'obligation mutuelle à laquelle les présents sont liés, il s'agit d'une façon de réactiver les liens sociaux, amicaux, professionnels et même familiaux. Très bien. Merci beaucoup, Patrick. Oui. Merci également aux téléspectateurs qui sont en notre compagnie. On vous retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Voilà, bienvenue. Merci d'être en notre compagnie. Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on parlera donc du don. On a fait une définition du don qu'on a différencié du cadeau. On parlera aujourd'hui de la valeur du don en Afrique. Le thème est inscrit sur votre petit écran. Le numéro qu'il faudra composer pour participer à cette émission également, plus 225 22 40 12 54. Monsieur Diop, on démarre avec vous. Bon. Et moi, carrément, le don, déjà, c'est universel. En fait, ça crée la cohésion entre les peuples, comme Patrick l'a dit. En dehors de ça, il y a des dons qui aussi préparaient
des générations à atteindre l'âge adulte. Par exemple, quand la période initiatique d'un jeune en Afrique, après ta période initiatique, tes parents t'offraient une case, des terres, tout ça pour pouvoir signifier que tu as atteint un certain niveau de maturité. Les dons, il faut savoir que non seulement il y a des dons de reconnaissance, hein, comme Patrick l'a encore signifié, il y a des dons de cohésion sociale. Par exemple, entre deux peuples, ça a beaucoup existé en Afrique aussi. Des peuples donnaient des dons à d'autres pour signifier qu'on reste peuple frère, ainsi de suite. Je pense que pour le moment, je vais m'arrêter là. Très bien, monsieur.